Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de Parlons Santé, émission du pôle à Réinfo Santé. Vous pouvez nous retrouver sur notre site réinfosanté.fr, également sur nos canaux Telegram, mais également Facebook. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter. Parlons Santé est une émission qui met en avant la santé intégrative, la réflexion, la collégialité. Et le doute, on va l'avoir également ce soir avec cette thématique d'un monde en mutation qui va confronter eh bien, des paroles hétéroclites qui vont nous permettre de mettre en perspective ce que chacun intellectualise, pressent, anticipe, voire est apeuré. Il y aura deux nouvelles têtes et un habitué de nos lieux. Je vais commencer par accueillir Philippe Bobola. Philippe, bienvenue à toi. Je reviens sur un Parlons Santé. Bah, je te laisse te présenter, même si les gens qui nous suivent doivent avoir l'habitude de côtoyer tes interventions en conférence, en livre ou en vidéo. Bah, moi, j'ai un parcours pluridisciplinaire. J'ai d'abord été physicien, j'ai fait de la physique théorique, puis de la biologie, de l'anthropologie, et je suis psychanalyste aussi. Et donc, j'ai essayé de réunir les sciences dures et les sciences humaines, et je dois dire que ces différentes focales m'ont permis d'avoir une analyse intéressante de la période dans laquelle nous vivons. Merci à toi, Philippe, et bienvenue encore. Laurent Gounel, bienvenue à toi, Laurent. Première fois également pour toi à Parlons Santé. Ah, petit souci de connexion. Non, c'est bon, c'est revenu. Bonsoir, Laurent. Bonsoir Fabien, bonsoir Philippe. Bonsoir. Ouais, j'ai un petit souci de connexion, j'espère que ça va. Bon, c'est bon, là ça s'est rétabli. Et ben, enchanté, Laurent, de te recevoir dans nos murs virtuels. Ben, je te laisse te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas. Ah, ben, écoutez, bonjour, je suis romancier, j'écris des romans. Pardon. Non, il y avait un petit décalage. Est-ce que la connexion fonctionne ? Ouais, c'est bon. D'accord. Donc, aujourd'hui, je suis romancier, c'est-à-dire j'écris des romans initiatiques qui invitent le lecteur à réfléchir sur lui, sur sa vie, son existence, sur le sens de sa vie, sur un certain nombre de choses. C'est-à-dire que j'utilise des métaphores, des allégories, je crée des histoires pour partager des idées, en fait. Et ça fait 15 ans donc, que c'est mon métier. Et sinon, j'ai un passé de consultant dans le domaine des entreprises, de l'accompagnement des entreprises et des organisations. Un métier que j'ai exercé également pendant 15 ans. Merci Laurent. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on t'entend parfaitement. Tout va bien, le son, l'image, on est au top. Voilà. Merci pour ta présentation et bienvenue à nouveau. Habitué des lieux depuis le début de ces Parlons Santé, Louis Fouché. Louis, bonsoir et bienvenue, puis je te laisse te présenter. Bonsoir Fabien, j'espère que tu vas bien. Un grand merci d'organiser tout ça. Puis un grand merci à Laurent et Philippe. Pour moi, c'est un honneur et un plaisir de les retrouver, même par voie numérique. On va peut-être en reparler un petit peu, de cette avatarisation progressive de nos vies. Puis un grand merci à tous ceux qui sont derrière le décor, qu'on ne voit pas, mais qui organisent, qui permettent que ça se fasse, qui font le programme, qui appellent les gens, voilà, Aurélie, d'autres. Un grand merci à eux. Et puis un grand merci à tous ceux qui nous écoutent, avec l'espoir que c'est Parlons Santé, où on réunit plein de gens différents, ils puissent se passer dans le vrai monde, dans la vraie vie, dans le in real life. Maintenant, vous savez, on dit IRL, et que vous les organisiez chacun localement, parce que comme ça, même s'il y a une tempête en Bretagne, il n'y a pas de problème de connexion, il n'y a pas de choses comme ça. Moi, je suis médecin réanimateur au départ. C'est difficile de se présenter maintenant, ça va être de plus en plus difficile pour moi parce que la vie ces dernières années a été pas mal chamboulée. Et puis, j'ai écrit quelques livres et puis participer à des films et découvert de très nombreuses choses ces trois dernières années qui m'ont ouvert des horizons, qui m'ont ouvert les yeux sur un peu ce monde qui est en mutation, quoi. Donc c'est un grand plaisir d'être avec vous ce soir, merci. Ben je reprends tes mots, Louis, dans cet aspect de mutation que chacun peut observer. Toi, tu as été plongé dedans comme dans une grande machine à laver.
avec des choix qui ont été publics et puis avec des mutations que tu as affichées dans des œuvres, comme tu le disais. Pour beaucoup, on sent qu'il y a un avant et un après de cette crise-là. C'est intellectualisé, c'est formalisé, c'est partagé dans les discussions de bistrot, dans les journaux. Il y a aussi cette intuition, pour faire référence au dernier ouvrage de Laurent, une intuition que quelque chose déconne, que ça ne va pas, qu'on est au carrefour, qu'il y a des choix. Alors, il y a une crise économique, il y a des crises belligérantes, il y a des crises financières. Il y a une crise aussi de sanitaire. On sent qu'il y a de multiples crises et puis qu'au carrefour de tout ça, bien, chacun se sent un peu convoqué à exercer des choix et donc à muter dans ce monde qui est en mutation là. Je vais commencer par tirer un petit fil qui est un peu la thématique de ces émissions. C'est la mutation et le changement de paradigme de la médecine avec un grand M où beaucoup de personnes se sentent abandonnées, désappropriées de leur santé. Et qu'il y a une absence, une perte de repère par rapport à une forme de trahison ou d'abandon ou d'expropriation. Est-ce que Louis, toi qui t'intéresses beaucoup à ce phénomène-là, que tu décortiques beaucoup en conférence ou dans des visios, dans des interviews, même des livres, est-ce que tu pourrais nous parler de cela, avant que je donne la parole à Philippe sur ce thème-là aussi, de ce changement de paradigme au niveau médical, avec, on peut le dire, une forme de désintérêt de l'humain? Alors, il y a un côté paradoxal dans la période qui nous occupe, c'est qu'à la fois, il y a ce que tu décris peut-être dans le monde de la santé, c'est-à-dire une protocolisation intensive des soins, une volonté d'organisation, une volonté de perfection. Vous savez, au Japon, il y avait des entreprises qui s'appelaient les Aibatsu, qui était cette idée d'arriver à faire une industrie zéro défaut, qu'à la fin, on arrive à l'épure du geste parfait. Et donc, il y a cette espèce d'ambition, ce fantasme d'arriver à un monde de perfection. Et il n'est pas complètement nouveau. Thomas Hobbes en parle déjà au XVIIIe siècle, dans un livre qui s'appelle Léviathan. Dans Léviathan, il décrit une société parfaite, selon lui. Et cette société parfaite serait régie par la science, les nombres, et la taille des rues serait optimisée, la taille des carrosses aussi, leur vitesse. Tout ferait qu'il n'y aurait plus jamais de heurts, que les carrosses ne se frôleraient plus. Il ne pourrait plus y avoir d'accident. Et évidemment, ce Léviathan, ça nous renvoie pour nous dans l'imaginaire à un monstre, à une espèce d'énorme machine qui régit nos vies. Et c'est un petit peu en train de se passer, et finalement, depuis ce XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, jusqu'à l'apogée à nos jours, dans tous les champs de transformation de la matière, et je pense à l'industrie notamment, on a suppléé petit à petit l'artisanat par l'industrialisation. Mettre en route des machines, et puis les ouvriers se révoltent, très bien, vous allez aller dans des bureaux au-dessus, vous allez optimiser des feuilles Excel pour maximiser le rendement, et c'est des robots qui vont faire. On va robotiser encore plus, on va machiniser encore plus. Jusqu'au moment où l'humain se dit, mais à quoi je sers, quoi ? Et il y a eu un livre intéressant en anthropologie par quelqu'un qui s'appelle David Graeber, qui a écrit un livre qui s'appelle « Bullshit Job ». Le nom est un peu rigolo, c'était en français, c'était les jobs à la con. Et disant que 80% des salariés, en gros, avaient des jobs à la con, quoi. Des trucs qui ne servent à rien. Ils optimisent des process toute la journée, quoi. Bon, et à la fin, ils rentrent le soir. Tout ce qu'ils veulent, c'est finir leurs 35 heures et partir en week-end, quoi. Et donc, vivent dans une espèce de fantasme du loisir, comme moment où ils pourraient se régénérer, récupérer de l'énergie de toute cette vie professionnelle qui la leur pompe toute la journée. Et David Graeber, il décrit que les soignants échappent un peu à ça. Parce que eux, dans leur métier de soin, il y a un sens. Prendre soin de la souffrance de l'autre, l'accompagner sur un chemin de guérison, on ne peut pas vraiment dire que ça ne sert à rien, quoi. Sauf que c'est en train aussi de basculer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos processus médicaux et administrativo-techniques, il y a l'idée de la qualité. Alors peut-être certains travaillent dans des secteurs qualité. C'est l'idée de la grande roue de l'optimisation, la grande roue de Deming, ça s'appelle. Plan, do, check, act. Planifier, faire, checker que ça va bien, et puis ensuite corriger. Et dans cette roue de l'autocorrection permanente, il faudrait arriver à un moment à ce qu'il n'y ait plus jamais d'erreur. Sauf que ce n'est pas ce qu'on constate. C'est que plus on essaye de planifier, plus on essaye d'optimiser, plus il y a d'erreurs, plus il y a de bifurcations. Et moi, c'était une partie de mon métier. J'ai été en charge de la gestion des événements indésirables sur l'hôpital. J'étais halluciné, hein. Je m'arrachais les cheveux, j'en avais plus beaucoup, sur le fait qu'il y ait des choses, mais proprement aberrantes, qui se passaient. Parce qu'on suivait les protocoles.
Et aujourd'hui, il y a beaucoup de soignants qui sont dans une sorte de moment de perte de sens, avec une majoration des risques psychosociaux, le burn-out, la dépression, le suicide parfois, hein. On l'avait vécu chez France Télécom, je crois, ou à EDF, où il y avait eu des vagues de suicides, où les gens ne comprenaient plus pourquoi ils étaient là, à quoi ça servait leur travail. C'était très loin de leur cœur et de l'œuvre qu'ils voulaient accomplir pour le bien commun. Et c'est en train d'arriver aussi dans le soin. Et je vous ai dit au début de mon intervention que c'était un moment paradoxal, parce qu'à la fois, il y a ça, et de l'autre côté, si vous allez à l'hôpital aujourd'hui, vous serez frappé de l'humanité des soignants. À quel point ils ont une bonté, une envie de prendre soin de les uns des autres. Et même dans le système techno-administratif, à l'endroit où ils veulent tout optimiser, tout maximiser, il y a eu une nouvelle façon d'explorer les choses qui est apparue en qualité, qui était l'idée de demander aux patients bah, comment ça s'est passé pour vous, sans score, sans rien, juste une discussion entre humains. Et ça s'est appelé le patient-traceur, tu sais, comme s'il nous fallait un traceur pour bien comprendre ce qui se passe. Et les patients, ils racontent tous la même chose. Ils disent « Non, mais moi, j'ai rien à dire sur tout ce qui s'est passé, etc. » Bon, la bouffe était dégueulasse, ça revient tout le temps. Mais par contre, ce qui était important pour moi, c'est qu'au moment où j'étais tout seul dans le couloir du bloc opératoire, j'avais froid, j'avais peur. Et ben, il y a une aide-soignante qui est venue et qui m'a dit « Oh, vous avez l'air d'avoir froid, je vous apporte une couverture. » Et qui est restée avec moi après et qui m'a tenu la main jusqu'à ce que je rentre dans le bloc opératoire. Rien que pour ça, je peux vous dire que ça s'est super bien passé. Et ces critères-là, qui sont des critères proprement humains, très profonds, ils commencent à être mis en avant. Et donc, à la fois, on est dans quelque chose qui est de plus en plus froid, une grande machine, le Léviathan, comme on l'a dit, avec l'intelligence artificielle partout, des process, des boucles de rétroaction. Et à la fois, c'est comme si ça devait nous pousser à essayer de sortir cette part émotionnelle du cœur qui est au fin fond de nous, et où on sent que, enfin moi en tout cas c'est mon impression, hein, que la plupart des soignants avaient envie de ça. Et je peux donner un autre critère là-dessus, c'est que la plupart des formations auxquelles se sont inscrits les soignants, et s'inscrivent actuellement, ce n'est pas les formations qualité. Parce que moi je faisais des formations qualité, je voyais qu'il n'y avait personne qui a inscrit, quoi. Tout le monde s'en foutait, quoi. C'est la formation obligatoire, mais pourtant tout le monde cherchait à y échapper, quoi. Essayer de se barrer au milieu, regarder son téléphone tout le long, ou ne venait pas. Mais par contre, si on fait des formations de toucher détente, de shiatsu, d'hypnose, d'aromathérapie, de trucs comme ça. Mais là, c'est rempli. Donc ça, c'est à la fois très sombre d'un côté et à la fois très porteur d'espoir de l'autre. Voilà ce que je pourrais dire sur cette transformation du soin. Et j'ai fait un bouquin là-dessus avec toi, Fabien, donc j'en parle, qui s'appelle « Agonie et renouveau du système de santé ». Et le sous-titre est incompréhensible pour beaucoup de gens, mais ça s'appelle « Mirage d'une médecine algorithmique transhumaniste ». Un mirage, c'est quelque chose qui n'existe pas. Hein. C'est une projection de la pensée, c'est un fantasme, quoi. D'une médecine algorithmique où tout serait algorithme, vous savez, des programmes informatiques, if, then, go to, on reviendra un peu, cybernétique, comme chez Wiener, et transhumaniste, parce que c'est de nous, en gros, des machines, et des humains qui perdent toute leur capacité à interagir avec le monde vrai, et qui sont tout seuls, apeurés, comme ça, si j'ai pas ma machine, si j'ai pas mon téléphone portable, aujourd'hui, il y a plein de jeunes, hein, s'ils n'ont pas leur téléphone portable avec eux, ils sont en panique. Des syndromes qui sont décrits en psychiatrie. Et puis de l'autre côté, le renouveau, le frémissement d'un retour aux soins humains. C'était ça le sous-titre. Et ça, je sens que ça frémit et c'est très porteur d'espoir pour moi. Voilà. Eh ben merci Louis. En effet, il y a des frémissements de partout et je pense que c'est ça aussi que les gens viennent chercher et quérir ce soir, c'est-à-dire dans ce monde en mutation qui conserve une certaine violence dans son expression. Il y a quand même le sentiment, comme tu l'as dit, il y a des personnes qui vont dans la déploration extrême du mal-être jusqu'au suicide, mais il y a toute cette bouffée d'optimisme de dire ce monde en mutation, il n'est pas déjà il n'est pas accidentel, il y a des causes profondes, et il n'est pas fatalité dans son désarroi, il y a aussi quelque chose de radieux qui arrive derrière. Philippe, dans la filiation de ce que proposait comme axe de lecture Louis, est-ce que tu pourrais nous donner ton point de vue sur cette mutation de la médecine? Donc toi, tu as un parcours qui est assez pluriel au niveau scientifique, tu l'as dit en te présentant. On pourrait aborder une raison d'être optimiste aussi avec une autre perception du vivant au niveau scientifique, notamment avec le paradigme de la physique quantique. Est-ce que tu pourrais nous partager quelques mots là-dessus, puis partir là où ça te semble joyeux d'aller? Oui, alors, pour rebondir sur ce que lui vient de dire, en fin de compte, il faut catalyser, déclencher une potentialité de guérison. On a tous une potentialité de guérison et c'est l'humain qui est le plus
à même de déclencher cette potentialité de guérison que certains appellent d'une façon pompeuse l'autopoïèse. Et donc les machines, c'est froid. Bon. Alors d'un côté, c'est la loi du balancier, plus on veut aller vers la technostructure, la e-médecine, etc., et plus les gens, par opposition, c'est ça la loi du balancier, vont mettre en avant la dimension humaine. Et effectivement, c'est ça qu'on voit. D'un autre côté, il y a d'autres technologies, mais qui prennent appui sur non pas une volonté de tout contrôler, tracer ce qui avait été perçu par le philosophe Michel Foucault. Il parlait de biopouvoir, c'est-à-dire tracer tout, avoir un contrôle sur chacune de nos cellules, etc. Et on voit bien que dans le fantasme du transhumanisme, il y a ça. Mais la semaine dernière, il y a 15 jours, il y avait un congrès sur l'eau. Il y a d'autres façons de soigner et ça se développe dans le monde entier, au Brésil, aux États-Unis, etc. On sait qu'on peut soigner par la lumière, on peut soigner en changeant les structures de l'eau. On a des moyens maintenant, vous faites parler quelqu'un, on analyse sa voix et on sait quelle maladie potentielle il peut avoir. Ça, c'est le bon côté, parce que ça veut dire que le thérapeute, il est aidé dans son humanité par un diagnostic qui n'est pas en compétition avec une machine qui va finir par prendre le pouvoir. On peut faire un raisonnement très simple, la vitesse de l'influx nerveux, c'est 100 mètres par seconde, et donc la technologie va de plus en plus vite, c'est une vitesse éternellement vitesse. Il arrivera à un moment donné, si on passe aux ordinateurs quantiques, où peut-être on aura une information qui va se déplacer à 100 000 km à la seconde. Donc il y aura un rapport 1 million entre le fonctionnement de la machine, sa vitesse et l'être humain. Forcément, il y a deux solutions. Ou bien on accepte d'être écrasé par la technologie, ou bien on va proposer aux hommes et aux femmes d'être dopés. Et donc c'est un piège qui nous est tendu, parce que cette technologie, elle nous a mis dans une espèce de timing qui n'est pas le timing humain du tout. Ça va de plus en plus vite et donc le propre d'une accélération de la vitesse, c'est l'explosion, quoi. Et donc Martin Heidegger l'avait perçu, il avait dit la pensée calculante a remplacé la pensée méditante. Tout calculé, quantifié, voilà. Au 19e siècle, un physicien avait dit « Si vous pouvez mesurer ce dont vous parlez et l'exprimer en chiffres, vous savez de quoi vous parlez. À défaut de pouvoir le faire, votre connaissance est insignifiante. » Donc, ce n'est pas nouveau qu'il y a cette volonté de tout quantifier, contrôler et orienter d'une certaine façon. Alors effectivement, le soubassement de la médecine allopathique et la physique classique, à part la radiologie, où effectivement on utilise la physique du noyau, la résonance magnétique nucléaire, ou les PET scans, les caméras positroniques, on est encore lié à la physique classique. Et donc ce qui est en train de se déployer en dehors de l'espace européen, c'est un autre soubassement de la médecine qui est le soubassement plus axé sur la physique quantique et qui changera notre conception de l'être humain. Par exemple, on a longtemps cru qu'il y avait des aires au niveau du cerveau qui avaient des fonctions. Maintenant, on ne sait pas délocaliser la conscience. On pense qu'il existe une conscience extracorporelle. Donc, on est arrivé à un point où la physique quantique et d'autres physiques, je pense en particulier à la physique de l'information qui est en train de se développer, vont nous donner une autre vision du corps humain, puisque au niveau élémentaire, la vie, c'est de la matière, de l'énergie et de l'information. Donc l'information, on ne l'a pas encore suffisamment compris et exploité. Alors évidemment, on est dans une pandémie au niveau de ce que nous avons vécu, mais effectivement, on a supprimé des lits, c'est-à-dire qu'on a fait une crisologie. Une crisologie parce que derrière, il y avait une nouvelle médecine qui allait remplacer la e-médecine, qui va mettre en avant l'intelligence artificielle. On sait, selon le Forum économique mondial, qu'entre 40 et 50% des professions vont disparaître. Conseillers financiers dans les banques, bibliothécaires, professeurs d'université, médecins, etc. Tout ça, ça va probablement être remplacé par l'intelligence artificielle. Donc,
on n'a plus une technologie au service de l'humain, c'est l'humain qui devient au service de la technologie, comme on avait dit qu'on n'avait pas une économie au service de l'humain, mais plutôt un humain au service de l'économie. Alors, une dernière chose, bah, y a plein de, on commence à redécouvrir le tissu conjonctif, donc la notion même de vie basée sur la cellule, qui est un concept qui est dû à Rudolf Virchow, un médecin polonais qui a fait sa carrière en Allemagne, est remise en cause, c'est la cellule et le tissu conjonctif. Donc ça donne raison aux ostéopathes, d'une certaine façon, et il y a des tas de travaux qui se font là-dessus. L'anatomie est loin d'être une science achevée. J'ai un ami, Jean-Claude Guimberto, ancien chirurgien, qui a découvert des fibres dans le corps qu'on ignore avec des migrations de cellules. Donc la médecine, si on ne la bloque pas, elle est en pleine mutation. Et donc aux États-Unis, les ostéopathes sont... sont à une position supérieure aux médecins du fait du surpoids, etc. Et donc, ils ont d'énormes moyens et donc, ils ont mis en avant beaucoup, beaucoup de moyens pour essayer de comprendre comment l'information se diffuse. Une molécule, ce n'est pas que de la matière, c'est des ondes électromagnétiques. Donc, on commence à avoir une autre vision du corps humain et il y a un décalage entre ce que la science la plus innovante propose et la vision étroite de la médecine allopathique. Merci beaucoup, Philippe. Et puis, tu parlais dans cet exemple d'une façon de percevoir la conscience comme en dehors du corps, et ça rejoint des médecines traditionnelles comme la médecine chinoise, pour qui le cerveau est un organe non pas émetteur d'informations, mais récepteur d'informations. C'est pour ça qu'il n'est pas irrigué de méridiens, par ailleurs. Donc, c'est intéressant de voir que dans l'évolution de la connaissance scientifique, on revient vers quelque chose qui est absolument traditionnel et multimillénaire, et qui était dénigré par la science et qui devient être validé. Donc, un changement de paradigme évolutif qui revient vers quelque chose d'ancien. En parlant de cela, de rationalité, Louis parlait de prédictions météorologiques, mais aussi d'intelligence artificielle prédictive, où si on nourrit des bases de données, et ben vous aurez des algorithmes qui vont vous dire si vous avez... tel pourcentage de générer tel symptôme pathologique dans votre existence, enfin bref, tout un tas de prédictions, mais il y a quelque chose qui échappe à la machine, c'est l'instinct et l'intuition, et c'est peut-être un refuge pour l'humain, une chasse gardée par rapport à la machine. Laurent, tu en as fait la thématique de ton dernier ouvrage. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette part-là humaine fondamentale, et puis qui vient... absolument ne pas le mettre en concurrence avec la machine, de l'intuition. Et peut-être que beaucoup de personnes ont des intuitions en ce moment par rapport à ce monde en mutation, et qu'est-ce que tu pourrais nous raconter là-dessus? Oui, tout à fait. Eh bien, en fait, tu m'aurais posé la question il y a 10 ans, ma réponse aurait été différente, parce que je suis de culture scientifique, donc même si je pouvais, comme tout le monde, utiliser le terme intuition régulièrement, en fait, au fond de moi, quand je parlais d'intuition, je me disais, non, ce qui vient de se passer, c'est le hasard, par exemple, ou une jolie coïncidence, puis j'appelle ça l'intuition, mais en fait, l'intuition n'existe pas. Et puis, il y a maintenant 7 ans et demi, j'étais approché à l'issue d'une conférence que je donnais à Paris par un inconnu qui me dit, voilà, je m'appelle Alexis Champion, je suis spécialiste de l'intuition, et plus spécifiquement du remote viewing, littéralement, c'est la visualisation à distance. Et puis, il me dit, je propose de vous initier à ça. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à passer un certain nombre de jours avec lui, en tête à tête. Et le remote viewing, c'est quoi? C'est une méthode qui a été mise au point par un scientifique américain. Je crois qu'il est physicien comme vous, Philippe. Il s'appelle Harold Puthoff. Il travaillait au SRI, qui est une émanation de l'université de Stanford, le Stanford Research Institute. Et puis, un jour, ce physicien, on lui a présenté un artiste qui s'appelait Ingo Swann, et on lui dit, bah, tu vois, ce gars-là, il est capable de te décrire précisément un objet qu'on lui cache dans la pièce à côté, quoi, sans aucun indice préalable. Donc évidemment, notre scientifique est un petit peu sceptique, quoi, donc il demande une démonstration, et puis ça fonctionne, quoi. Il reproduit l'expérience, c'est lui qui cache un objet, et le gars est capable de le décrire, quoi. Et donc, il trouve ça assez impressionnant, et il décide d'en faire un objet de recherche. Sauf qu'on est à Stanford, donc une prestigieuse université américaine, milieu académique, ça c'est du paranormal, c'est plutôt mal vu, donc il a du mal à boucler ses budgets. Et puis bon, il arrive quand même tant bien que mal, il lance ses recherches, et puis au bout de quelques temps, je ne me souviens plus combien de temps, mais il fait une première publication.
Et très rapidement, eh bien, on vient le voir dans son labo. Ils sont vraiment comme dans un film d'Hollywood, deux hommes en costume sombre qui arborent un badge de la CIA et qui lui disent, voilà, on a lu vos publications, on est intéressé par vos recherches et on vous propose de les financer et de les faire dans le cadre de la CIA. Donc, comme lui ramait tous les ans pour réunir son budget, on lui propose un financement et il dit OK. Et les agents lui disent, par contre, à partir de maintenant, c'est classé secret défense. Donc, vous ne dites plus rien, même pas à votre femme. Et puis, en plus, on va déménager votre labo. Donc, vous quittez Stanford. On va vous mettre sur un terrain militaire près de Washington, au nord-est de Washington, à Fort Meade. Et puis, à partir de là, on met à sa disposition des équipes, qui sont tous des militaires. Et puis, surtout, le Congrès américain va voter dans le plus grand secret un budget de plusieurs millions de dollars qui va être renouvelé chaque année pendant 25 ans. Donc, c'est un truc incroyable qui a été fait dans le plus grand secret. Pendant 25 ans, il y a toute une équipe de gens qui ont fait des recherches sur l'intuition et qui ont fini par mettre au point une méthode. Alors, une méthode qui permet, ça peut sembler dingue, je sais, mais qui permet d'accéder sur commande à ces intuitions. Et l'intuition, c'est quoi? Si vous ouvrez n'importe quel dictionnaire, vous verrez que l'intuition, c'est la connaissance directe et immédiate d'une vérité. Connaissance directe et immédiate. Donc, c'est une capacité, en fait, qu'on a tous. On est capable d'accéder à une information qui n'est pas directement accessible par nos cinq sens, donc quelque chose qu'on ne peut pas directement voir, toucher, entendre, sentir ou goûter. Et par contre, on va utiliser nos sens néanmoins pour appréhender l'information qui va se manifester dans le corps. C'est-à-dire, le corps humain s'avère être une sorte de miroir de la réalité extérieure. Donc la réalité extérieure, l'information en fait, dans du monde, donc l'information dans laquelle on baigne, et que ce soit une information qui soit dans la pièce à côté ou à l'autre bout du monde, qu'elle concerne l'instant présent ou le passé, et ce qui est encore plus troublant, voire dérangeant, enfin moi ça me dérangeait au début, une information future, et ça vraiment pour l'avoir expérimenté, je sais que ça fonctionne, quoi. Mais en fait cette information peut venir à vous, hein, se manifeste dans votre corps par des micro-mouvements qu'après on peut canaliser par la méthode, hein, et pour de façon à l'amener à la conscience. Maintenant, indépendamment de cette méthode qui existe et qui fonctionne, qui est tombée dans le domaine public depuis quelques années, donc elle commence à se diffuser, c'est ce que fait Alexis Champion avec son institut notamment, mais au-delà de cette méthode, c'est intéressant de savoir qu'on a tous en nous cette capacité. On a tous en nous cette capacité, et je pense que tout le monde l'a expérimenté, et l'expérimente régulièrement d'ailleurs. Souvent, quand je fais une conférence sur le sujet, je demande à la cantonade dans la salle qui a déjà pensé à un ami, mais un ami qu'il n'a pas vu depuis longtemps, hein, qui ou elle n'a pas vu depuis longtemps. Et puis, alors qu'il venait de penser à cet ami, le téléphone sonne et c'est l'ami en question. Et quand je demande dans une salle à qui c'est arrivé, vous avez 80-90% des gens qui lèvent la main, quoi, qui disent bah oui, moi ça m'est arrivé à plusieurs reprises, quoi. Donc, ça, typiquement, c'est une intuition et on peut avoir tous des intuitions. Tous les domaines. Et ce que tu dis, Fabien, est très, très juste par rapport à l'IA, etc. En fait, ça va tellement vite qu'on se rend bien compte que les machines sont en train de dépasser l'humain au niveau des capacités dans plein de domaines. Philippe Bobola parlait tout à l'heure de 40 à 50% des professions qui sont appelées à disparaître selon le Forum économique mondial. Ce qui restera, tu l'as évoqué, Fabien, c'est l'intuition. Et à l'intuition, je pense qu'une machine a priori, on ne pourra pas avoir d'intuition, enfin, sauf selon certaines visions spirituelles, ou si on considère que tout dans ce bas monde est Dieu, entre guillemets, quoi. À ce moment-là, bon, on peut se dire, une machine aussi, donc pourquoi est-ce que cette machine, à un moment donné, ne serait pas dotée d'une forme de conscience et donc de capacité intuitive. Mais bon, là on est vraiment dans la science-fiction, en tout cas, a priori, si on veut vraiment rester terre à terre, sans aller dans le spirituel, ce qui va distinguer à court terme l'homme de la machine, c'est l'intuition. Et on le voit en matière de médecine. Je crois que c'est le président, le directeur de la fac de médecine de Brest, en Bretagne, qui enseigne l'intuition et la prise de décision intuitive à ses étudiants, donc futurs médecins, parce qu'en fait, il y a eu des recherches qui ont démontré que l'intuition était plus efficace que des méthodes qui veulent tout rationaliser, comme le décrivait Louis tout à l'heure, en matière de diagnostic. Pour certaines maladies, en tout cas, de mémoire, c'est pour l'embolie pulmonaire, apparemment, l'intuition d'un médecin est beaucoup plus performante que ce genre de méthode qui se veut très, très rationnelle, très objective. J'ai un autre exemple, on quitte un tout petit peu la médecine, mais on reste un peu dans la sphère. Il y a quelques années, une étude a été menée dans la sphère des assistantes sociales pour évaluer les risques sociaux dans une famille.
Et ils ont essayé d'objectiver l'approche qui permet à une assistante sociale qui visite une famille de se dire est-ce que oui ou non il y a un risque pour les enfants, est-ce qu'ils risquent de se faire tabasser dans cette famille ou pas, d'accord. Donc il y a une méthode, voilà, on a vraiment voulu objectiver la démarche, est hyper sérieux, hyper rigoureux, il y a des critères, tout est pondéré, etc. Et donc ils ont fait une expérience, ils ont envoyé dans un certain nombre de familles une équipe, un panel d'assistantes sociales qui appliquaient la méthode. Et puis un autre panel de stagiaires qui étaient absolument formés à rien du tout, quoi. C'était juste des stagiaires qui n'y connaissaient rien. Et on leur a dit, vous allez dans des familles, vous aussi, et puis vous y allez au feeling. Alors, ils n'ont pas employé le terme d'intuition, je ne sais un peu quel terme ils ont employé, mais ça revenait à ça. Quoi. Grosso modo, on leur disait, d'après vous, voilà, on ressentit simplement, est-ce que dans cette famille, les enfants ont un courant danger ou pas, quoi. Et puis ils ont mesuré, donc c'est tout à fait scientifique. Que les personnes qui y allaient que une méthode. Merci Laurent. Il y a eu une petite coupure juste sur les 5 dernières secondes. Tu avais fini ton intervention? Oui, enfin à la fin, donc j'expliquais les résultats de l'étude qui a montré que les personnes qui allaient vraiment à l'intuition, au feeling, finalement avaient de meilleurs résultats prédictifs par rapport au risque social dans une famille que des personnes qui étaient ultra formées avec une méthode objectivée. Merci Laurent pour les exemples. Moi, mon intuition, c'est que beaucoup de médecins internistes ont en fait une très grande intuition et ils ont un parcours universitaire et des formations extrêmement riches, mais par exemple qu'on m'a rapporté, souvent c'est l'intuition qui prime et après on va tordre son intellect pour essayer de regrouper quelque chose de rationnel et de scientifique. Quand on a le bagage, ça se passe très bien, puis quand on ne l'a pas, en fait on reste juste avec cette intuition-là. Pour revenir sur ce que tu disais, il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été faites, notamment dans le domaine des sous-marins, pour les faire réémerger sous la calotte glaciaire, et où en fait on utilisait des gens qui avaient une grande intuition, et c'est l'armée qui formait, l'armée américaine notamment, qui formait, on va dire, des sous-mariniers à avoir de l'intuition pour guider les sous-marins à réémerger à des points extrêmement précis. Et en fait, ils étaient isolés dans le sous-marin, dans le plus grand calme, pour se concentrer sur leur intuition. Et donc ça date de la période de la guerre froide, encore dans les années 80. Donc c'est quelque chose pour corroborer ton premier exemple, où on va dire il y a des budgets qui ont été développés dans des secteurs en très haute tension, avec des très hautes, on va dire, besoins de sécurité, comme l'armée, et notamment des milieux très calfeutrés, où il n'y a que l'intuition et la technologie sonar qui pourraient nous aider. Donc voilà, ce n'est pas inédit. Alors, vas-y Laurent. Je crois qu'une démarche scientifique, enfin je parle sous le contrôle des deux scientifiques présents ici, mais je crois qu'une démarche scientifique, en fait, elle démarre par une intuition. Le scientifique a une intuition qui devient une hypothèse, et puis ensuite, voilà, il va lancer toute une étude et des recherches pour valider ou invalider cette intuition de départ. Et je crois d'ailleurs, vous me direz Philippe si je ne me trompe pas, mais je crois que Einstein a eu l'intuition de la théorie de la relativité 20 ou 30 ans avant de pouvoir réussir enfin à la démontrer scientifiquement. D'où l'importance de la créativité, en effet ouais. Alors on parlait de prédiction, on voit qu'en ce moment il y a des outils d'imagerie, des technologies qui visent à prédire. Et on le voit notamment avec les caméras de vidéosurveillance, de sécurité. On est vraiment dans un monde de cybersécurité où on voudrait prédire les mouvements du faciès des individus pour voir s'ils sont menaçants, s'ils vont commettre un acte répréhensible, et aussi les mouvements avec, on va dire, des capteurs, on va dire, numériques, qui viennent anticiper des mouvements dans la foule de personnes qui pourraient avoir des actes répréhensibles, suivant où on place le curseur de ce qui est répréhensible. Et dans ce monde en mutation, on peut se rendre compte que ce qui était observé de manière moqueuse par les sociétés occidentales du côté chinois, par exemple, dont au niveau de la cybernétique, de la surveillance et, on va dire, du marquage avec des points des individus, aujourd'hui est totalement accepté, banalisé, voire on pousse le curseur
un peu plus loin dans tout ce qui est cybernétique, dans tout ce qui est, on va dire, surveillance. On l'a vu avec des passes numériques, avec des QR codes qui sont généralisés. On le voit en Angleterre, où on a accès à des supermarchés uniquement par l'aide d'un smartphone avec un QR code. Et si on ne l'a pas, on ne peut pas rentrer dans le supermarché. C'est une nouvelle forme de... Alors, tu parlais de Michel Foucault, Philippe, qui a beaucoup parlé de la biopolitique. C'est même, on va dire, le fer de lance. Et aujourd'hui, encore trop peu de philosophes suivent ce sillon-là. On peut citer le travail de Mehdi Belhadj-Kassem, de Vincent Pavant, à cet égard. Louis, toi qui échanges beaucoup avec eux d'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous parler de cette mutation vers une forme de société totalitaire hyper technologique basée sur la cybernétique et avec en mise en perspective aussi forcément avec le travail que tu as développé dans ton dernier ouvrage sur l'aspect peur qui arrive à faire descendre cet aspect biopolitique comme une acceptation sociale évidente? Oui, je peux essayer. En tout cas, je vais essayer de poser quelques bases conceptuelles pour que les gens puissent bien comprendre de quoi on parle. Parce que le mot cybernétique, par exemple, c'est pas forcément clair pour beaucoup de gens. Et il apparaît un peu après-guerre avec ce qu'on appelle les conférences MASI, qui sont financées aux États-Unis par MASI et qui font se réunir des scientifiques, des chercheurs de plein d'horizons différents, de manière pluridisciplinaire, transdisciplinaire, pour réfléchir à comment se comportent les systèmes, comment est-ce qu'ils garantissent leur homéostasie. Leur homéostasie, c'est le fait de rester finalement soi-même à travers une mutation, ce qui est en plein le sujet de ce soir. Hein. Dans un monde en mutation, comment je peux rester intègre? Et ces scientifiques, avec en tête quelqu'un qui s'appelle Norbert Wiener, vont élaborer le concept de cybernétique, qui est l'étude pluridisciplinaire de la stabilité des systèmes par des boucles d'asservissement et de rétroaction. Quand il se passe quelque chose, il se repasse quelque chose en retour, etc. Et puis, finalement, si j'arrive à savoir quels sont les systèmes dominants et les systèmes asservis, lesquels induisent des rétroactions aux autres, je serai capable de mettre en route des systèmes parfaits, quoi. Et cette idée de la cybernétique va irriguer toute la recherche, qu'elle soit en robotique, où ça nous paraît évident, et y compris le trading. Alors dans le trading, on pourrait dire, ça c'est un peu bizarre, mais aujourd'hui, il faut savoir que la plupart des traders sont aidés de robots traders, et certains traders font du trading à la nanoseconde, ce qu'on appelle le trading à haute fréquence. Je vous donne simplement les noms des algorithmes pour que vous ayez une idée un peu de ce qu'ils cherchent. Hein. Ils s'appellent Razor, Shark, Gorilla, Sniper. Donc on n'est pas dans une idée très douce, hein, avec cette idée que finalement, je peux générer du profit si j'accélère la rotation de capital, ce qui est le postulat de nos sociétés capitalistes occidentales, hein, c'est plus je fais changer de main le capital, plus j'accélère la génération de profit. Et finalement, la cybernétique va être asservie, on pourrait dire, à cette idée de générer du profit pour faire apparaître des data-driven factories, des entreprises, des usines gérées par la data, pour faire des data-driven entrepôts. Alors, vous savez peut-être aujourd'hui que chez Amazon, les caristes qui sont sur leur Clark en train d'aller chercher les différents colis, en fait, ils ont des petites impulsions qui leur disent où est-ce qu'ils doivent aller pour accélérer leur mouvement et améliorer leur rentabilité, leur rendement. Finalement, vous avez chevillé au corps de l'idée cybernétique une idée de vitesse. Philippe en a parlé, il y a quelqu'un qui s'appelle Paul Virilio, qu'on a beaucoup parlé dans la dromologie, il y a quelqu'un qui s'appelle Armut Rosa, qu'on a énormément parlé dans Aliénation et Accélération, en disant que cette vitesse est une caractéristique, et cette accélération est une caractéristique de nos sociétés occidentales. Il faudrait aller toujours plus vite. Et puis vous comprenez que finalement, un système cybernétique bien fait, au fond, n'admettrait pas d'erreur. Il ne faudrait pas qu'il y ait de bifurcation. Il faudrait que le process se déroule sans bug. Et d'ailleurs, on va débugger les programmes informatiques en permanence pour éviter qu'il puisse y avoir un truc qui beurre quelque part, quoi. Et ça va conduire à l'idée que si j'ai toute la data, si j'arrive à avoir toutes les informations sur le système, de comment il est composé, si j'arrive à voir plus loin que ce que moi, humain, je suis capable de voir, grâce à cette collection de data, au fond, j'ai créé comme un double numérique du monde. J'ai le monde avec toute sa complexité, je ne comprends rien, il y a des ondes électromagnétiques, des photons, des électrons, du champ gravitationnel, du champ magnétique. Non, je vais collecter ça, je vais mettre des capteurs qui sont capables de collecter cette information et de la mettre dans des grands feuillets Excel à N dimensions. Et cette grande bibliothèque de data, je vais l'appeler le monde virtuel.
Et si j'ai l'art du bibliothécaire, je suis capable d'aller chercher, indexer une data, la croiser corrélativement, j'ai le pouvoir. Et donc, vous voyez apparaître une première chose. C'est une course-poursuite à la collecte de data, d'informations. Chaque fois que vous vous achetez sur Internet, on prend votre nom, votre adresse, votre téléphone, vous ne savez pas trop pourquoi, tout ce qui vous concerne, etc. Chaque occurrence de clic que vous faites, vous savez que votre téléphone portable vous écoute, vous regarde, regarde ce que vous tapez dans la barre d'outils, vous répondent parfois en fonction de ce que vous venez de dire dans une conversation avec quelqu'un alors que vous ne parliez pas à votre téléphone. D'un coup, vous font apparaître, tiens, ce serait bien d'avoir un nouveau barbecue parce que vous étiez en train de discuter de barbecue. Et donc, il y a cette collecte de data qui devient totalitaire. Totalitaire ou au sens où elle rentre dans vous. Et il faudrait même connecter les datas de votre organisme, de votre biologie. Ça, c'est l'idée que c'est l'idée du biopouvoir dont parlait Philippe. Hein. C'est l'idée qu'on va commencer à quantifier des paramètres vitaux. On va vous faire un test tous les 3 jours pour savoir si vous avez ça. Mais on va en médecine, par exemple, en permanence, regarder votre glycémie grâce à un device qui est mis directement en sous-cutané et qui regarde la glycémie capillaire. Et puis, on va faire une petite machine avec une pompe à insuline sous la peau qui va asservir le résultat de la glycémie à la quantité d'insuline que vous allez avoir. On fait des boucles d'asservissement. Asservissement, le mot est important. Donc, collecte de data massive. Deuxième chose, c'est une fois que vous avez toutes les data et que vous avez dupliqué le monde, vous êtes capable de dire mieux que l'humain la vérité, la réalité. C'est un peu comme si vous sortiez le matin, vous regardez le temps qu'il fait. Bon, par rapport au modèle météorologique, vous êtes complètement out, quoi. Lui, il vous prédit à 2 semaines comment vont se passer vos vacances, quoi. Parce qu'il mesure la pression en haute atmosphère, l'humidité, etc. Et pareil pour Waze, si jamais il n'y avait qu'une seule voiture connectée, ça ne marcherait pas. Il faut que tout le monde soit connecté. Donc, il y a une volonté totalitaire dans la collecte de data qui correspond à l'idée d'avoir une société panoptique. Panoptique, ça veut dire vous voyez tout. Le panopticon, il a été développé par Jérémy Bentham au XVIIIe siècle, il a été repris par Michel Foucault. C'est l'idée que si je voyais tout, tout le temps, il ne pourrait rien se passer. Et Jérémy Bentham, il le rêve comme la meilleure des prisons. Si j'ai des murs transparents, que je vois tous les détenus, que je suis au milieu, il ne se passera jamais rien. Il n'y aura jamais de révolte, il n'y aura jamais d'évasion. Et d'ailleurs, Jérémy Bentham va mettre toute sa fortune personnelle à faire construire des prisons panoptiques. Et aujourd'hui, on vit dans un panopticon. Et c'est le premier élément du totalitarisme dont tu parlais, Fabien, c'est cette collecte permanente de data qui interdit l'intime. Ça rappelle beaucoup le télécran de Winston dans 1984 de George Orwell. Il le voit en permanence. Et c'est le troisième point auquel je voudrais en venir. Collecte de data. Aletheia. Aletheia, la vérité du dévoilement. Aleté, c'est l'absence d'oubli. Vous savez, les eaux du l'été, c'est les eaux de l'oubli. Si j'oublie rien, si je sais tout le temps, ça y est, j'ai accès au monde, je le possède intégralement. Et c'est le rêve de tous les tyrans. Hein. Vous vous souvenez de l'oreille de Denis de Syracuse. Denis de Syracuse, il voulait entendre tout le temps tout ce qui se disait partout. Donc, il avait plein d'espions pour en permanence sniquer chez les gens pour savoir est-ce qu'il n'y a pas une révolte qui se fomente. Quoi. Parce qu'un tyran vit quand même dans l'angoisse de se faire assassiner globalement. Il sait qu'il est illégitime. Et donc ça, c'est l'idée de l'aletheia et de la puissance de l'aletheia, la vérité du dévoilement. Et puis le troisième point, c'est qu'une fois que vous connaissez tout le monde, vous pouvez prescrire aux gens ce qui va se passer. Puisque si vous avez tous les éléments d'un système, vous savez ce qui va se passer à T+1. Et donc, vous allez prescrire. C'est ce que fait Waze. Waze vous dit, oh là là, il risque d'y avoir de l'embouteillage par là. Passe donc par la D554, par la zone industrielle Jean Gérard. Vous ne savez même plus par où vous passez. Vous ne savez même plus où vous êtes, en fait. C'est Waze qui vous pilote. Il vous prescrit la réalité. Et c'est lui qui décide quel embouteillage se fait comment. Et si jamais il arrivait à route planer tout le monde, eh ben, ça y est, on aurait enfin le monde idéal. Et là, vous voyez apparaître l'idée des 15-minute town qui rejoint le Léviathan de Hobbes. C'est jamais que la poursuite de la même idée d'un contrôle intégral. Mais alors pourquoi les gens veulent tout contrôler? On pourrait se dire, mais ils ne veulent pas que rencontrer une erreur, un inconnu dans la rue. Vous savez, c'est à une passante, c'est un poème de Baudelaire, comme ça, où il rencontre une femme et il tombe amoureux en une seconde, quoi, par cette chose qui vient le frapper en plein cœur de cette passante qui vient de passer, quoi, balançant le feston et l'ourlet. Et c'est comme si on ne voulait plus cet imprévu. On voulait que notre vie soit planifiée de A jusqu'à Z. De la naissance, et ça vous explique en médecine, toute la médecine prédictive, prénatal et périnatal, il ne faudrait pas qu'il y ait une maladie, hein. Il ne faudrait pas qu'il y ait une malformation. Il ne faudrait pas que mon bébé ne soit pas comme il faut. Parce que je veux qu'il ait la vie idéale.
Mais enfin, je rappellerai juste aux parents que votre bébé, il est là pour foutre le bordel, quoi. Il va, évidemment, même s'il a toutes les capacités, etc., il va faire ce que vous voulez pas, quoi. À l'évidence, il est l'erreur, quoi, dans la famille. Pour... Mais s'il y a ce rêve-là, que tout soit parfait, et jusqu'à y compris la mort et le projet de loi actuel sur la fin de vie, qui voudrait dire c'est à tel moment que je veux mourir, de telle façon-là, etc. Au fond, c'est quoi ? Mais c'est pour s'enlever la peur. Moi, c'est l'objet de mon troisième bouquin. C'est qu'en fait, derrière tout ça, mais c'est des gens qui sont tétanisés de frayeur. Et moins ils ont de capacité, plus ils l'ont donné à la machine, plus ils ont peur. Parce qu'ils savent bien que sans leur smartphone, sans leur prédiction météorologique, etc., et la vie est labile. Elle passe son temps à être en mutation, à bouger tout le temps. Mais pour moi, le parcours de vie intéressant, c'est celui qui bouge, quoi. Et je suis un voileux. J'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à faire de la voile parce que justement, ça change tout le temps. Le vent, la marée, les nuages, les précipitations, le réglage des voiles, l'état de l'équipage, le mal de mer, la popote qu'il faut refaire, etc. Et ben ouais, en permanence, il va falloir ressentir et s'ajuster. Et donc, on est dans un conflit de rationalité entre un monde qui voudrait prédire et contrôler et un monde qui veut ressentir et s'ajuster. Merci beaucoup, Louis, pour toutes ces mises en perspective. Tu parlais de prédire sa mort, de tout catégoriser. D'ailleurs, je crois que je t'avais envoyé un document, mais je ne sais pas si vous avez vu. En tout cas, il y a un procès actuellement où justement une personne avait prévu d'avoir un suicide assisté médicalement. En fait, ça ne s'est pas passé comme prévu parce qu'il n'y a pas eu la bonne dose injectée par le médecin. Et donc, il est sorti du protocole tout en respectant le protocole, c'est-à-dire qu'il a pris la liberté d'étouffer la personne qui avait demandé à être suicidée avec un oreiller. C'est un médecin français, c'est passé dans les Hauts-de-France, et donc c'est l'infirmière qui a dit... Et donc, il y a un couac juridique, parce qu'en gros, le protocole, c'était qu'il fasse décéder cette personne, mais il fallait la faire décéder par une injection létale et non pas par le coussin. Et donc là, en voulant créer quelque chose de maîtrisable, c'est-à-dire la mort, en ayant protocolisé tout le truc, lui, il a été au bout du protocole. Donc, est-ce un meurtrier ou est-ce un bon médecin qui a assisté à la mort de cette personne ? Ça pose une question. Oui, Louis. Merci, Fabien, de rappeler cette histoire qui nous rappelle à quel point cette idée de prédire et de contrôler peut aboutir à la cruauté et à l'ignominie, c'est-à-dire à vouloir éradiquer l'erreur. Or, c'est l'humain, l'erreur. À chaque fois, dans tous les débriefings, c'est une erreur humaine, quoi. Il y a Gérard qui n'a pas fait ce qu'il fallait, il a merdé. Et donc, le rêve cybernétique, c'est de ne pas avoir d'erreur. Et donc, il faudrait éradiquer l'humain. Et donc, le transhumain, c'est le rêve de l'éradication de l'humain. Et l'expérience que tu racontes, elle a déjà été vécue à une échelle plus large. C'est qu'il y a un lien direct entre cruauté et meurtre, et totalitarisme et éradication de l'humain, qui a été mis en évidence par quelqu'un qui s'appelle Edwin Clarke, qui a écrit un livre qui s'appelle IBM and the Reich. IBM and the Reich. C'est IBM, en fait, a été partie prenante dans l'histoire du Troisième Reich nazi par le biais de sa filiale Deomag en Allemagne, pour mettre en place des fiches de tabulation. En fait, à l'époque, c'était des fiches perforées, hein, mais en gros des ordinateurs, pour aider au recensement des populations juives. Et IBM a même poussé plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont demandé au Reich, mais c'est quoi un juif alors ? C'est des deux parents ? C'est les quatre parents ? C'est quoi ? C'est un 16e, un 8e ? Jusqu'à ce que le Reich soit obligé de répondre, c'est un 16e. Et puis ensuite, IBM a mis en place des processus et des procédures administratives pour aider au génocide. Et donc là, on est en plein dans cette extraordinaire banalité du mal. Au prétexte de tout vouloir contrôler, à la fin, on aboutit à quelque chose qui est du meurtre de masse. Là, en l'occurrence, Fabien, bon, il y a ton histoire où ça dérape complètement, quoi, et qui font péter en éclats cette idée qu'on pourrait tout prévoir, quoi. C'est ça, et puis que derrière l'anecdote, en effet, il y a quelque chose qui paraît presque institutionnalisé. Sans transition, Philippe, justement, sur l'aspect transitionnel du monde en mutation, dans un point de vue d'un phénomène physique, on peut se dire que dans chaque phase de transition, il y a un aspect coopératif, des phénomènes coopératifs, de mouvements qui se mettent en lien les uns avec les autres pour parvenir à une nouvelle phase après la transition. Est-ce que toi, tu pourrais nous parler d'un point de vue physique, mais je dirais presque métaphysique, de cet aspect et de ce phénomène coopératif ? Oui, avant, je voulais renforcer sur l'intuition.
L'UNESCO a utilisé des experts à un moment donné pour essayer de prévenir l'avenir. En fin de compte, on fait ce qu'on appelle des projections linéaires dans une discipline qui s'appelle la prospective. Et en fin de compte, on s'est rendu compte que seuls les artistes avaient réussi à prédire l'avenir. Alors, dans les transitions, c'est ça qui est intéressant, il peut y avoir des phénomènes dits non linéaires. Et je crois que si on relie le Forum économique mondial, et en particulier la révolution industrielle 4.0, à un moment donné, il y a les derniers points, les deux derniers points, c'est on va fabriquer un humain sur mesure, et deuxièmement, on veut des neurotechnologies. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un phénomène non linéaire ? Ben, généralement, quand on fait une action et qu'on a une réponse de la même intensité de son action, on dit qu'on a un phénomène linéaire. Et quand la réponse à une action est 10 fois, 100 fois exponentielle, on a des phénomènes non linéaires. La météo est typiquement un phénomène non linéaire. C'est-à-dire qu'il y a une confusion. Il y a un spécialiste de l'intelligence artificielle, Marc Julia, qui dénonce le fait que les big data ne sont pas de l'intelligence. C'est une collecte de données et c'est ça qui renforce la spécificité de l'être humain et en particulier l'intuition que la machine jusqu'à présent ne peut pas avoir. Et dans les phénomènes non linéaires, ben, l'être humain, il n'est pas rationnel. Si vous prenez un individu, il peut avoir un statut social élevé, mais vous le prenez dans le privé, il a peut-être un comportement que l'on va considérer comme irrationnel. Et donc, dans l'intelligence artificielle, il y a la volonté de cloner les individus pour en faire des individus qui vont répondre à action-réaction. Il y a ça. Et d'où la nécessité, parce qu'on n'est pas encore là-dedans, d'avoir des humains qui sont fabriqués sur nature. Donc, on contrôle leurs croyances, on les formate. Et puis, si ce n'est pas suffisant, on fera appel à la neurotechnologie. Alors maintenant, je vais répondre à la question. Une transition de phase, c'est le passage d'une organisation A à une organisation B. Par exemple, vous avez de l'eau, vous pouvez la refroidir et à zéro, vous avez de la glace et vous pouvez la chauffer pour avoir de la vapeur. Et il se met en place quelque chose qu'on appelle la coopérativité. C'est-à-dire que avant d'avoir l'état de vapeur, par exemple, il va y avoir des clusters qui seront déjà à l'état de gaz, mais dans une majorité de liquide. Et plus la température va augmenter, plus ces clusters vont grossir, interagir entre eux et donner une coopérativité. On respire et on vit parce que notre pigment respiratoire, l'hémoglobine, peut fixer 4 molécules d'oxygène. Et quand il y a une première molécule fixée, ça accélère la fixation de la deuxième. Les deux fixés accélèrent la fixation de la troisième et la quatrième est considérablement accélérée dans sa fixation du fait de la présence des trois autres. Et en termes un peu plus techniques, on dit que l'hémoglobine est une enzyme allostérique, c'est-à-dire que la récurrence du passé du phénomène accélère le présent du phénomène. Alors, ce qui est intéressant dans ces clusters, c'est qu'actuellement, il y a des clusters qui se créent partout. Donc, j'ai fait une expérience qu'on appelle l'expérience dite d'Ibiza, sur l'île d'Ibiza. On s'est inspiré de deux politologues américaines, Erika Chanouet et Marianne J. Stéphan. Et ces deux femmes ont étudié de l'ordre de 300 conflits avec l'État américain dans différents États sur 103 ans. Elles se sont rendues compte que les luttes qui avaient réussi à changer des lois, parfois minimes mais quand même importantes, avaient deux caractéristiques, deux invariants. Premièrement, c'était non violent et il faut simplement 3,5% de la population. Et c'est là où effectivement on doit passer de la masse critique, qui est un concept qui vient de la physique classique, en particulier du nucléaire, à l'information critique. Donc, sur l'île d'Ibiza, on a à peu près un peu plus de 150 000 personnes. Si vous prenez 3,5%, ça vous met 7 500 personnes. Et donc, s'il y a un cluster qui émerge à un endroit du monde, ça va accélérer l'émergence d'un plus gros cluster. Les deux clusters vont accélérer l'émergence d'un autre cluster, etc. Et c'est ce qui est en train de se faire. Il se crée des petits clusters, des petites bulles partout dans le monde. Et il y a un phénomène d'interactivité qui se fait entre les deux. Alors, effectivement, le docteur Laurent Lesson disait que quand on aura un entretien d'embauche dans quelques années, la première chose qu'on vous demandera, qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus que l'ordinateur
ou le robot, l'intelligence artificielle. Alors, je crois que Laurent a répondu l'intuition. Effectivement, Henri Poincaré, qui était à la fois un grand mathématicien, un grand physicien, un grand philosophe, a écrit un ouvrage consacré à l'intuition en mathématiques. Il a montré que le paramètre numéro un d'un grand créatif en science, c'est l'intuition. Et ça, l'intuition, ça effraie l'intelligence artificielle parce qu'on ne peut pas le prédire. Si on regarde les auteurs de science-fiction, notamment un, Philippe K. Dick, il a prédit le monde dans lequel on est actuellement. Mais il l'a prédit dès les années 50. Alors certains objecteront qu'il avait une schizophrénie. Ça voudrait dire que le monde dans lequel nous vivons est schizophrène. Mais il avait bien mieux prédit que toutes les projections linéaires. Moi, j'ai assisté à des réunions de travail où on prend un physicien, un mathématicien, etc. C'est déjà les big data. On leur dit qu'est-ce que sera demain. Alors ça marche sur une courte durée, ce qu'on appelle une projection linéaire. Mais quand on essaye d'avoir un regard sur 50 ans ou un siècle, ça ne marche plus. Et ce qu'on regarde, quand on peut constater dans le monde, c'est que toute tentation totalitaire a été vouée à l'échec. Ce n'est pas tenable. On ne peut pas avoir un monde entièrement contrôlé, contrôlable. Et donc ça, c'est malheureusement véhiculé par la calculabilité, la quantification des sciences dites exactes, mathématiques, physique théorique, et voilà. Et il y avait un William Blake, qui était un graveur et poète anglais, a eu cette phrase prémonitoire après la Révolution française. Il a dit « Dieu nous protège du sommeil de Newton et de la pensée unique ». Alors le sommeil de Newton, c'est ce que nous vivons, c'est-à-dire cette obsession de tout quantifier, calculer, prévoir. Et il avait compris que la pensée unique allait s'installer par le biais de la science qui allait mettre de côté les cultures humanistes, la poésie, l'histoire et d'autres disciplines plutôt à caractère littéraire, parce qu'elles n'avaient pas cette possibilité de calculabilité. Et quand la pensée de tout calculer, tout contrôler est arrivée, les romantiques se sont opposés au sommeil de Newton en disant « Nous, on ne veut pas savoir quand on tombe amoureux. Ce qu'on veut, c'est à un moment donné totalement inattendu de tomber amoureux, plutôt qu'à d'avoir quelque chose de planifié. » Ça me rappelle un souvenir, quand j'étais en première, j'avais un professeur de français qui était un fanatique de Paul Claudel, et j'ai eu l'outrecuidance de lui dire « C'est pas un grand poète, parce qu'il s'est marié par le chasseur français. » Donc ça m'a valu une colle. Je trouvais aberrant qu'un grand poète puisse planifier sa rencontre amoureuse par le biais du chasseur français. Je ne trouvais pas ça romantique. Peut-être une petite intolérance d'adolescent, mais en tous les cas, je ne trouvais pas ça particulièrement poétique. Donc là, il n'y a pas vraiment d'intelligence. La physique a connu ça. Avant, il y avait les expérimentateurs, les théoriciens. Puis il y a une nouvelle classe qui est apparue, c'est les modélisateurs. On a bien vu que si vous prenez des grands modélisateurs comme Malinvaux en économie, personne n'a pu prédire les crises. L'économie n'est pas une science, en ce sens qu'elle n'est pas prédictive. Elle n'est pas, elle n'a pas de raison d'être au sommet des sciences humaines, puisqu'elle a voulu mathématiser pour se donner l'illusion qu'elle était prédictive. Et toutes les tentatives de modéliser le réel, ben, se sont soldés par des échecs. On se souvient de Ferguson, l'Imperial College, toutes ces modélisations en infectiologie, en virologie, etc. À une époque, j'avais travaillé sur ces notions de transition de phase, de groupe de renormalisation qu'on utilise dans la physique pour les liquides, et ça ne marche pas en économie. Et l'être humain n'est pas prédictible. Si vous vous regardez, est-ce que vous pouvez vous considérer comme prédictible? Non. Donc c'est ce fantasme est voué à l'échec, parce que les phénomènes non linéaires, c'est ce qui est venu corriger le rêve de Newton. C'est-à-dire, à un moment donné, vous avez de la turbulence, vous avez des phénomènes qu'on ne peut plus contrôler. Et la vie est non contrôlable par définition. C'est un système ouvert avec des structures dissipatives. Ce qu'on appelle une structure dissipative, c'est quand vous avez une plaque chaude et une plaque plus froide, et entre les deux, un liquide, par exemple de l'huile siliconée, ben, la chaleur va passer de la plaque la plus chaude vers la plaque la plus froide, donc du haut vers le bas, et ça va entraîner des molécules, on appelle ça un mouvement de convection, puis ça va descendre. Puisque en atteignant la plaque supérieure froide, c'est plus dense, donc plus lourd, donc ça redescend. Donc on peut prendre qualitativement que vous allez avoir une sorte de mouvement circulaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait jamais dans quel sens va tourner la première cellule,
qu'on appelle les cellules de Rayleigh-Bénard. Mais toutes les cellules paires ou impaires vont être déterminées par la première. Tout ce qui sera impair, si la première tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, ça tournera dans le sens des aiguilles d'une montre. 1, 3, 5, 7, et tout ce qui est pair tournera en sens inverse. Et donc, c'était très intéressant parce qu'on a deux cellules identiques qui tournent en sens opposé. C'est exactement ce qu'on a avec les globalistes et les souverainistes. Si vous arrêtez d'alimenter la chaleur, tout redevient, on va dire, calme, il n'y a plus de turbulence. Et donc, la découverte d'Ilia Prigogine, c'est d'avoir trouvé un ordre dans le désordre, puisqu'on aurait pu supposer que plus on augmentait la température, plus on allait vers le désordre, mais en fin de compte, il apparaît un ordre dans le désordre. Et il y a deux cellules différentes au sens giratoire du terme qui émergent. Et c'est exactement ce qu'on voit. C'est-à-dire, on veut nous amener dans une direction, il y aura toujours une direction opposée. Donc, pour moi, je ne crois pas à l'intelligence artificielle, c'est surtout des grosses données, mais des grosses données qui ne sont pas en mesure de prédire l'avenir. Parce qu'effectivement, l'UNESCO, j'avais participé à des réunions, réunissait des tas de gens très, très savants dans leur domaine. C'est du traitement parallèle de l'information et de la prédiction, et ça ne marche pas. Ça marche à courte durée, sur un an, deux ans, cinq ans, mais pas sur 50 ans, et encore moins sur un siècle. Or, le programme qu'on nous propose, c'est un programme pour 1000 ans. Ça rappelle le Troisième Reich, tout contrôlé, tout organisé. Or, par définition, ce n'est pas possible, parce que le vivant n'est pas contrôlable. Mais l'ordinateur, lui, est contrôlable à partir du moment où on a un programme. D'ailleurs, quand vous regardez ChatGPT, on voit bien qu'il y a de l'humain dedans. Si vous testez qu'est-ce que ChatGPT dit pour Emmanuel Macron, pour la politique, pour le réchauffement climatique, il vous met en permanence le consensus. Or, si effectivement c'était une vraie intelligence artificielle, que seule la logique pouvait s'imposer, on dirait il y a des incohérences. Et il y a une incompatibilité entre le modèle consensuel et puis ce qu'on nous dit comme narratif. Donc, je pense qu'ils ont compris que la seule façon de nous faire rentrer dans leur système, c'est de nous formater, mais nous formater avec des robots, avec des puces, etc. C'est la seule façon de rentrer dans leur modèle. Sinon, l'être humain, par définition, est irrationnel. Et comme l'irrationalité l'a toujours emporté sur la rationalité, je suis assez confiant sur l'avenir. Eh ben merci Philippe pour cette envolée très optimiste et très lucide aussi sur les mises en perspective. Je pense que c'est important de rappeler ce sur quoi tu as insisté trois fois, c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'intelligence artificielle en fait. Les gens utilisent ce terme-là. En fait, on bourre des données dans des mégas, des téraoctets de données. On mouline des algorithmes et puis ensuite il en ressort ce qu'on veut bien y faire ressortir à partir du codage des algorithmes qu'on va faire. Mais ce n'est pas une intelligence en fait, il n'y a rien d'intelligent là-dedans. Ce qui est intelligence, c'est éventuellement l'humain qui a conçu à partir de son intellect ces structures de base de données. Peut-être Louis, tu nous parleras un petit peu de certains exemples de ChatGPT, mais c'est assez intéressant parce qu'il y a un côté ludique à ChatGPT. Et on voudrait nous faire croire que dans ce monde en mutation, où en effet, Laurent Alexandre dit, qu'est-ce que vous avez en plus que le robot? D'ailleurs, ce que certaines personnes commencent à penser, hein, c'est pour ça que les formations sur comment utiliser l'intelligence artificielle explosent et pullulent et rencontrent un grand succès, parce que ça doit revenir à une peur vitale de se dire, je suis placé en concurrence et je vais perdre. Alors j'espère peut-être que le réseau Neuralink de notre ami Elon Musk, avec un implant micropuce cérébral, fera moins un humain augmenté qui pourra concurrencer sur un temps court la machine. Mais sinon, il va falloir que je me mette à la page ou alors que je déprime. Ça renvoie une peur très forte, la peur d'être sorti du groupe parce qu'on ne sert plus à rien, la peur d'être dévalorisé, et puis la peur de mourir. On a parlé de cette peur archaïque qui fait que... On a tellement peur de la mort qu'on veut l'anticiper pour la prévoir. Louis, tu en as fait une série de conférences. Vous étiez tous les deux, Laurent et toi, la semaine dernière en conférence. Laurent, c'est une thématique sur laquelle tu réfléchis beaucoup aussi. Est-ce que tu pourrais nous partager cet aspect de peur qui peut envahir beaucoup de personnes dans ce moment de mutation où on semble un petit peu perdu, voire isolé?
parle des peurs en général, c'est souvent dans l'idée de lutter contre la peur ou de se débarrasser des peurs. Et moi, j'ai envie de dire attention, parce que la peur, c'est une émotion naturelle. Et la peur, comme chacune de nos émotions, a une fonction. La fonction d'une émotion, c'est de nous délivrer un message. Et donc, le message délivré par l'émotion de peur, c'est la présence d'un danger. Et donc, partant de là, la vraie question, c'est est-ce que le danger est réel? Auquel cas, ressentir cette émotion de peur va me pousser à prendre une décision, d'accord, la fuite, l'adaptation, je ne sais quelle stratégie à développer. Ou est-ce que cette peur est irrationnelle? Est-ce que cette peur d'une création de mon esprit, auquel cas je peux apprendre à la dépasser, en effet, et à avancer malgré tout? Donc ça, c'est quand même la vraie question à se poser. Donc, par exemple, sur le sujet de ce soir, sur l'intelligence artificielle, sur tout ça, est-ce que la peur que chacun peut ressentir, en effet, que je ressens aussi d'ailleurs par moment, est-ce qu'elle est justifiée ou pas? Est-ce que je peux avoir la confiance que Philippe exprimait tout à l'heure en se disant, mais non, de toute façon, puis je le rejoins assez, l'être humain est irrationnel, donc c'est l'irrationnel qui va l'emporter. Auquel cas, voilà, ma peur se dissipe. Ou est-ce que je me dis, ah ouais, mais quand même, les mecs sont un peu retors, voilà, est-ce que ça pourrait mal se passer, quoi? Donc ça, c'est une vraie question. Et après, moi, j'ai envie de dire qu'un élément de réponse d'une manière générale, c'est la confiance. La confiance, c'est un peu l'antidote de la peur, avec l'amour aussi, là. Autre domaine, mais la confiance, et la confiance pour moi, c'est la confiance en soi. En soi, c'est se dire, ok, le monde évolue très vite en ce moment, il y a même une accélération, il y a des choses qui m'échappent, je ressens de la peur, et je peux aussi avoir confiance en ma capacité d'adaptation. Ma capacité d'adaptation, et je crois que c'est Charles Pépin qui disait avoir confiance en soi, c'est pas être sûr de soi, c'est trouver le courage d'affronter l'incertain finalement. Donc, c'est se dire, bah, j'ai en moi des capacités qui font que je pourrais m'adapter finalement. Et la vie est adaptation. La vie, c'est s'adapter en permanence. Donc, ça, c'est confiance en soi. Après, la confiance, elle peut aussi être beaucoup plus large. Et se dire, finalement, on n'a pas le recul, on n'a jamais le recul dans l'instant présent pour savoir si des choses qui arrivent, qui surviennent comme ça dans nos existences, que ce soit à un niveau individuel ou à un niveau collectif, sont bonnes ou mauvaises. C'est très dur de le dire, en fait. Il y a une petite histoire, une jolie allégorie qui illustre bien ça. C'est l'histoire du paysan russe. Si j'ai 5 minutes, Fabien, quoi. Elle est assez connue. Hein. C'est un paysan qui perd son cheval. Son cheval s'enfuit. Il s'enfuit de l'enclos. Alors les voisins, les autres paysans disent, ouais, t'as vraiment pas de chance, hein, mon vieux. Et lui répond, peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Et puis le cheval, dans sa fuite, fait la connaissance d'une jument, voilà, lui aussi, il tombe amoureux, c'était imprévisible, nous dirait Philippe, il tombe amoureux de la jument, et puis il a la bonne idée de revenir avec la jument à la ferme. Et donc là, tous les voisins du paysan voient son cheval qui revient avec une magnifique jument, évidemment, il l'attrape tout de suite et il le met dans l'enclos. Et les voisins lui disent, bah, quand même, quelle chance tu as, quand ton cheval il revient avec une jument, t'as gagné un cheval, quand t'en as deux maintenant. Il lui répond, peut-être. Et puis, la jument est sauvage, donc faut la domestiquer, la dompter, et c'est le fils du paysan qui s'en occupe. Donc, voilà, il essaye de monter sur son dos, sauf qu'évidemment, la jument ne se laisse pas faire, elle se cave, et puis il tombe par terre, il se casse une jambe. Et là, les voisins disent, mais oh, quand même, quelle malveine, t'as vraiment pas de chance, parce que c'est ton fils quand même, toi, tu commences à vieillir un peu, c'est ton fils qui s'occupait beaucoup des travaux de la ferme, comment tu vas faire maintenant, quelle malchance, quoi. Et puis quelques semaines s'écoulent, et puis les envoyés, les émissaires du tsar débarquent dans le village pour recruter tous les jeunes hommes en âge de se battre, parce que c'est la guerre, il va falloir partir à la guerre. Et sauf que le fils du paysan, puisqu'il a une jambe cassée, mais il est réformé. Et là, les voisins disent, oh, quelle chance tu as. Voilà, et la morale de cette histoire, c'est que dans l'instant, en fait, on ne peut pas savoir. On n'a pas tous les éléments, on n'a pas la grande image, comme dirait Lao Tse, pour savoir finalement si les événements qui surviennent de notre vie individuelle ou collective sont positifs ou négatifs. Donc on peut aussi se dire à un moment donné, puisque les choses m'échappent, la sagesse c'est peut-être d'avoir confiance, voilà, en ce que vous voulez, Dieu si vous croyez en Dieu, ou une entité supra-religieuse, ou en l'univers, et avoir confiance dans le fait que finalement peut-être que ce qui arrive dans nos vies arrive pour le mieux. Merci de cette note d'optimisme en fait, puis qui permet de revenir à une forme de pondérance et d'équilibre également, puis que tout suit un flot et que des fois on va dépenser beaucoup d'énergie à aller
Eh ben, à contre-courant. On arrive à 1h10 d'émission. Ce que je vous propose, eh ben, c'est que vous preniez le temps, tous les trois, dans un dernier tour de table, eh ben, de nous partager sur ce thème très large qu'on a investigué un peu ce soir, d'aspect en mutation. D'ailleurs, on pourrait parler, hein, je me permets de juste une petite seconde, il y a tellement de mutations qu'il y a même des mutations physiques qui s'opèrent chez beaucoup de personnes, ce sentiment de venir se mettre des tatouages, de se greffer des choses, de s'implanter des choses, de voir même changer d'identité, de changer de sexe également, bah, ça traduit aussi une ambiance dans la société qui montre qu'il y a un besoin de mutation qui peut se traduire par beaucoup de choses, des déménagements, mais encore, en tout cas des mutations corporelles, également, et on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus, ça rejoint aussi l'aspect de vouloir se réapproprier son corps, de retravailler son corps, de repenser son corps dans le re, en déconstruisant, dans un phénomène de biopolitique, où l'exploitation du corps serait presque le dernier espace de liberté dans une tentative totalitaire de vouloir s'approprier celui de l'autre. Mais on pourrait partir sur une autre émission, mais ça me semblait important à évoquer. Louis, je me permets de te donner la parole sur ce tour de table finale, sur ce que tu as envie, parce que là, on peut partir assez large sur tous les sujets. On a parlé d'intelligence artificielle, de technologie, du monde médical, de la société, des émotions. Fais-toi plaisir. Je ne sais pas si je vais dire un truc impérissable, mais d'abord, un grand merci. Parce que vous écoutez m'enrichit et m'instruit et m'ouvre des horizons, et c'est le cas depuis 3 ans, et finalement je constate que c'était un peu la vision des classiques, que la contrainte était une opportunité de créativité, qu'au fond dans les formes très classiques du ballet classique, de la littérature classique, c'est là où vous pouvez peut-être sortir le plus des tripes, quoi. Est-ce que vraiment ça va sortir de l'ordinaire ou vous allez refaire le truc d'habituel? Et puis j'ai entendu cette idée de la confiance dans la vie. Je pense que chaque fois qu'on, dans la confusion ou dans le bonheur, on fait advenir au monde des enfants, je dis dans la confusion parce que parfois ça peut être vraiment flou, hein, on comprend rien, etc. Ou dans le bonheur parce que tout se passe bien, que vos enfants sont sympas, etc. Mais bon, voilà, dans la confusion de le bonheur, on se préoccupe du devenir de nos enfants et on a cette projection sur le futur. Sur laquelle on peut plaquer finalement tous nos fantasmes ou toutes nos peurs, et qu'il y a peut-être une responsabilité à laisser la liberté à ce futur d'advenir comme il a envie, de pas vouloir absolument qu'il fasse tel boulot ou que ça se passe comme si, avoir mis de l'argent de côté sur 14 livrets A, de toute manière avec l'inflation vous avez compris que vous aurez plus un rond, quoi. Donc ça sert à rien, vos enfants vivront leur vie et gagneront leur vie comme ils peuvent, et qu'à partir du moment où on se défait de ça, je ne suis pas mes enfants. Voilà. Je suis pas ma femme, ça c'est sûr. Voilà. En général, votre femme aussi, c'est je ne suis pas mon mari, c'est clair et net. Je suis pas mon enfant, c'est pas si clair que ça. Il y a des projections fortes, en fait. Alors ça va de celui qui va faire un sport à son enfant comme un fou, tu seras un champion, mon fils, parce que moi j'étais un tocard, jusqu'à un truc un peu plus souple. Mais il y a cette question, voilà, de la projection vers l'enfance. Et chaque fois qu'on regarde, moi je regarde beaucoup mes enfants, ce qui sont un peu mes petits maîtres. On m'a demandé plusieurs fois, alors c'est qui vos grands maîtres à penser? J'essaie de carburer, de trouver des noms, des trucs qui avaient été écrits assez profonds. Puis chaque fois, je dis, non, c'est plutôt mes enfants à chaque fois qui me mettent dans une espèce de questionnement et puis d'émerveillement en même temps. Parce que l'innocence, le jeu, la capacité créative, quelle que soit la contrainte, est énorme. Vous prenez la vie d'un enfant, on lui dit à quelle heure il doit se lever, à quelle heure il doit se brosser les dents, à quelle heure il doit prendre sa douche, à quelle heure il faut aller à l'école, il y a la sonnerie qui sonne toutes les heures. Et c'est la tôle, quoi. Ils vivent en tôle, proprement, quoi. C'est hallucinant ce qu'on fait supporter à nos enfants. En vrai, que nous, adultes, on se dit, ah, mais oh, c'est pas possible, quoi. Et pourtant, là-dedans, ils trouvent tous les espaces de liberté pour devenir des chevaliers, des princesses, des Robins des Bois. Et ça, moi, ça me laisse rêveur, en fait. Je me dis, mais comment ils font, quoi? Et parce qu'ils ont cette confiance absolue que toutes les ressources sont là, que toutes les insuffisances, de toute manière, ouais, en lien avec le monde, avec ce qu'il y a autour, on trouvera. Donc, peut-être retrouver un peu cet esprit enfant qui parfois nous manque et nous met beaucoup dans l'inquiétude de prévoir ce qui va se passer, puis d'accepter que, bon, bah, voilà, je l'ai dit plusieurs fois en conférence, mais au pire, quoi. Au pire, on en meurt. Bon,
on est tous d'accord qu'on va en mourir. Donc, de toute manière, à la fin. Donc, il faut se rassurer sur ce truc-là. Bon, c'est demain, c'est dans 15 ans. On veut bien que ça dure un peu plus, mais enfin, de toute manière, ça arrivera. La deuxième chose, après cette confiance, c'est l'idée de la prudence, qui pour moi est intéressante. C'est quelque chose qui est présent chez Aristote et qu'il appelle la phronesis. La phronesis, c'est quoi ? C'est l'intelligence du courage. C'est la sagesse contextuelle. C'est pas de la pleutrerie, hein. Vous n'êtes pas prudent en disant « Oh là là, je vais pas y aller, c'est très dangereux, etc. » C'est pas de la poltronnerie. C'est au contraire essayer de savoir à tel endroit, là c'est juste, à tel endroit, c'est pas possible. Par exemple, vous prenez votre beau-frère qui est convaincu que tout ça était juste, que le Covid c'était terrible, etc. Ça sert à rien, quoi. Enfin, n'y allez pas. C'est pas la moindre des prudences, c'est de pas y aller pour vous en prendre plein la gueule. Pareil, si vous allez discuter avec votre médecin bien comme il faut, qui pense tout comme il faut, si vous commencez à lui parler d'hypnose et d'intuition, bon, y a des chances que ça marche pas. Bon, vous pouvez essayer, hein, mais prudemment. Voilà, vous tâtez l'eau du bout du pied, est-ce qu'elle est chaude, est-ce qu'elle est froide, j'y vais pas, on va voir. C'est la sagesse contextuelle. Et ça, ça veut dire que ça nous remet dans l'instant présent. Donc il y a des gens, ils font des stages de méditation pleine conscience, de trucs comme ça, pour revenir à ici et maintenant. Non mais là, vous revenez à ici et maintenant grâce aux circonstances de ce monde en mutation. Vous ne savez pas s'il pourrait prendre des vacances dans un an, si votre boîte aura fermé, si vous aurez perdu votre boulot, si votre femme sera partie, si votre banquier vous aura lâché. Vous ne savez pas et vous ne pouvez plus prédire. Donc, ben, vous réhabitez l'instant présent. Et à partir du moment où vous le réhabitez, il se dilate. Le temps se dilate, se ralentit. C'est comme si vous étiez en slow motion, vous savez, dans Matrix, quoi. Vous pourrez tourner autour de la balle et l'éviter, faire trois tours sur vous-même en même temps pour échapper à la crypto-monnaie numérique mondialisée. Enfin, ça ouvre des possibles de réhabiter cet instant présent grâce à la prudence. Voilà, donc prudence et... Et la dernière chose, c'est que l'endroit où ça fait peur, peut-être c'est l'endroit où il faut aller. Je dis peut-être parce que je ne suis pas encore complètement sûr de ça. Mais la peur, comme l'a dit Laurent, c'est ce danger. Et ce danger, il est l'opportunité d'une transformation. Il y a quelque chose qui va bouger dans notre vie. Ok, et ça peut être pour le meilleur. Est-ce qu'on peut y aller et au fond, la survie à travers ça, c'est est-ce qu'au milieu, à l'intérieur de soi, dans le noyau intérieur, on a trouvé cette stabilité qui permet d'affronter toutes les tempêtes. Et ce noyau intérieur, bizarrement, dès qu'on l'a contacté, il nous remet en contact avec les autres. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'affronter toutes ces peurs et ce monde en mutation, ce n'est pas un truc solitaire. Ce n'est pas un truc de développement personnel. C'est à la fois personnel, mais ça rejoint les autres. C'est une ouverture vers les autres. Et si vous avez les appuis des autres... que vous avez un réseau, on pourrait dire, dans les mots modernes, vous passerez à travers toutes les balles, quoi, à travers toutes les tempêtes. Vous retrouvez votre chemin à travers tous les déserts. Parce que vous risquez rien. Dès qu'on est en lien entre frères et sœurs humains, on se rend compte qu'on est invincible et on est extrêmement puissant à transformer le monde dans lequel on vit et à dicter l'évolution qu'on a envie de voir venir. C'est le dernier point. C'est Philippe a parlé des clusters. Ces clusters, peut-être, c'est déjà des espèces de bulles de cohérence dans un monde en décohérence. Ils sont déjà dans la phase est déjà changée. Et j'ai vu ça plusieurs fois dans ce qui nous est arrivé ces dernières années, comme si de partout le monde vacillait, nos institutions partaient en lambeaux, il y avait du vent, on était au milieu de la tornade avec des morceaux de bois, des bouts de chaises qui partent, etc. Et comme s'il fallait créer une bulle de cohérence à l'intérieur de ça en reprenant les morceaux pour construire patiemment le monde dont on a envie. Or là, c'est bien, parce qu'il y a plein de morceaux à disposition, et donc il n'y a plus qu'à œuvrer au travail. Merci beaucoup, Louis. Philippe ? Puisque le sujet était la peur, quand il y a un changement, quel qu'il soit, que ce soit perdre son boulot ou le changement qu'on voit pointer sur la société, on passe par des étapes. Il y a d'abord le choc, puis après, il y a le déni, puis après, il y a la colère, après, il y a la peur, et puis après, oui, on descend dans la gamme des émotions, la tristesse, la dépression, et après, on remonte. On remonte avec l'acceptation, le pardon, la quête de sens, la paix et la sérénité retrouvée. Alors, effectivement, il y a un concept qui s'appelle les prophéties autoréalisées. Si on nous amène à croire que le futur sera celui prédit par le Forum économique, on lui donne corps et on le fait venir.
Donc, c'est à nous, intérieurement, de ciseler nos émotions et nos pensées. Et je crois qu'à un moment donné, la peur est une émotion noble. Il ne faut pas en avoir honte. Mais notre cerveau, il est fait pour passer par ces étapes. Et il ne faut pas y rester trop longtemps. Et à ce moment-là, ça nous amène à une reconsidération des lois du temps. C'est-à-dire que le futur pourrait précéder le présent. C'est ce qu'on voit en physique quantique. Louis parlait de cohérence. La cohérence, c'est quand, par exemple, c'est une explication de l'homéopathie, quand vous avez un domaine de 10 millions de molécules ou moins, toutes les molécules vont vibrer à l'unisson, comme une cohorte. On appelle ça un état cohérent. Et c'est ce qui fait la différence avec un état non cohérent. Et quand on est dans un état non cohérent, on perd les propriétés quantiques. Donc, la ligne du temps qui sous-tend la physique quantique est une droite où il n'y a pas de flèche, où les polarités peuvent surprendre. C'est-à-dire que le futur peut précéder le présent peut changer le passé, et le futur peut changer le passé. C'est assez étrange. Par exemple, si vous interrogez une particule au présent, vous risquez de changer son passé. Et ça change complètement notre paradigme temporel. On a l'impression que la portion qui va du passé au présent, elle est définie une fois pour toutes, on ne peut pas la penser, la changer, et celle qui va du présent au futur est indéterminée, aléatoire. En fin de compte, dans le monde microscopique, ça ne marche pas comme ça. Et il y a des périodes, sous les gaz, c'est l'hypothèse que je fais, où le monde classique et le monde quantique se rejoignent. Il y a une espèce d'imperpénétrabilité, de porosité. Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que on doit véritablement ciseler nos émotions et nos pensées et s'évertuer à penser au futur qu'on voudrait voir triompher, et non pas à essayer de calmer nos peurs, nos colères, nos frustrations, nos angoisses sur un futur qu'on nous impose. Et ce que nous montrent les lois quantiques, c'est que le futur, il est multiple. Et que celui qui fait la mesure en physique quantique est un participant, c'est-à-dire qu'il va, par son état intérieur, sélectionner un futur qui correspond à son état intérieur. Donc on a une force énorme, c'est-à-dire que c'est à nous de trouver cette cohérence intérieure, et je reviens à Louis, trouver des gens qui vont vibrer comme vous, et exercez-vous à faire venir le futur que vous voulez voir arriver. Et je pense que la plupart des gens, s'ils comprenaient vraiment le futur dans lequel on veut nous faire rentrer, ils ne signeraient pas. Une petite anecdote, j'ai un ami qui enseigne le cinéma à l'université de Lille. Il devait faire des cours sur le monde de demain, etc. Et il leur a demandé de faire un scénario, comme il est dans le monde du cinéma, l'audiovisuel. Et des ingénieurs qui étaient tout à fait en phase avec ce qu'on nous proposait, quand ils ont réalisé ce que serait leur quotidien jour après jour, mais ils n'adhèrent plus. Ils ont complètement changé. Ce n'est pas la rationalité qui a fait changer leur vision sur la situation qu'on leur proposait et le développement qu'on leur proposait, mais c'est le fait de se projeter. Et donc, projetez-vous dans le futur que vous voulez voir, et ça s'appelle une intrication, c'est-à-dire que l'intrigation, c'est une propriété quantique qui fait que deux particules qui sont proches, si vous les éloignez, ils vont interagir aussi fortement que lorsqu'elles étaient proches. Ce qui est complètement différent en physique classique, où plus vous éloignez, plus l'intensité avec laquelle deux particules vont interagir diminue. Et la diminution, elle varie avec la distance. Là, ce n'est pas du tout le cas. Il y a une intrication temporelle. Je crois que aller dans ce qui nous fait peur, c'est ce que l'évolution a fait. Il est dit dans les lois de la biomimétique que le vivant utilise la contrainte pour innover. Et donc, on a une contrainte qui nous est proposée à nous d'innover. Quand on pense à l'évolution a évolué quand il y a eu des contraintes. Une météorite qui tombe, si on reprend, et qui dégage un hiver nucléaire, ça a amené une évolution. La contrainte fait évoluer. Donc, on était peut-être un peu endormi et on nous a mis cette contrainte pour nous réveiller. Si j'étais le divin, et que je voyais l'humanité endormie, je me dirais, il faut leur proposer une grosse contrainte pour les faire évoluer. Et c'est un peu ce qui nous est proposé. Donc, plutôt que de le voir comme quelque chose qui va nous broyer, voyons-le comme quelque chose qui va nous déployer. Et à nous de faire preuve de créativité, d'intuition, de savoir se lier au futur qu'on voudrait voir triompher jour après jour, plutôt que d'avoir peur de ce futur que nous est proposé par Klaus Schwab. Voilà.
ce que je voulais vous dire. Quelque part, on pourrait dire merci en tonton Klaus, si on t'écoute. Oui, et on devrait les remercier, c'est-à-dire c'est des tyrans qu'il faudra remercier. Ils nous ont forcés à une mutation intérieure en nous proposant une mutation extérieure. Et c'est ça le plan génial, c'est-à-dire que cette contrainte qui consiste à dire on va vous contrôler, etc., ça nous oblige à muter intérieurement. Et la mutation extérieure rétroagit sur la mutation intérieure, et ça c'est de la cybernétique spirituelle. Ou une vision hormétique du corps qui, mise dans un état de stimulation, va développer des capacités qui étaient un peu en dormance et se régénérer autrement d'un point de vue cellulaire. Mais là, on Les gens qui se baignent dans de l'eau froide, et bien, à un moment donné, il y a un coup de fouet et ça relance l'organisme. Ou les jeunes qui, à un moment donné, changent complètement la structure métabolique d'un corps et le choc est révélateur. Wim Hof, etc., parfaitement compris. Merci pour tout cela, Philippe. Merci beaucoup. Laurent ? Oui, alors moi d'abord, j'adhère totalement à ce que viennent de dire Louis et ensuite Philippe, sur cette notion évoquée à l'instant par Philippe, à savoir cette contrainte qui peut nous aider à nous déployer. Moi, j'ai envie de revenir sur ce qu'il évoquait précédemment, à savoir sur le schéma de deuil, quoi. Ces différentes phases dont on sait qu'un être humain, quand il est confronté à un changement quel qu'il soit, que ce soit un deuil au sens propre, bien sûr, mais aussi un divorce, un licenciement, tout ce que vous voulez, il passe à travers ces différentes phases. Et ce qui est intéressant, c'est de les avoir à l'esprit. Pourquoi ? Parce que sinon, on peut rester bloqué dans une de ces phases. Et si on reste bloqué dans une de ces phases, ben, en fait, ça bloque le changement. Donc, ça nous empêche de passer à autre chose qui serait positif. Ça, par exemple, les personnes qui accompagnent des chômeurs, des gens qui ont été licenciés, ils le savent bien. C'est-à-dire, si la personne elle est toujours dans sa phase de colère, par exemple, hein, parce qu'on sait que juste après le déni, genre non, c'est pas possible, ça peut pas m'arriver, c'est pas moi, il y a la colère, bah souvent, les gens vont rester bloqués un certain temps dans cette phase de colère. Et tant qu'ils sont dans la phase de colère, ils ne réussissent pas à trouver un autre emploi. Parce que dès qu'ils arrivent à un entretien de recrutement, et qu'on commence à leur parler, à leur poser des questions sur leur précédente expérience, bah, tout de suite, ils expriment cette colère. Bah oui, est-ce que c'est quand même un salaud de patron qui les a virés, ils ont les boules, et ils sont coincés là-dedans. Et en fait, il faut avoir passé ces différentes phases, quel que soit le changement, une fois de plus, notamment la colère et après la tristesse qui suit, pour pouvoir réinvestir émotionnellement autre chose, quoi. Alors, ça peut être un nouveau job, pour un nouveau job, un nouveau partenaire, si c'est un changement de couple ou autre chose dans la vie, quoi. Donc, c'est intéressant d'avoir ça à l'esprit pour ne pas rester bloqué dans l'une de ces phases. Et je trouve que quelque chose qui peut nous aider, justement, à accepter le changement et à accueillir ce qui arrive, y compris dans l'incertitude, même si ça peut faire peur, une fois de plus. Et bien, en fait, ce qui peut nous aider, c'est de savoir que la vie est changement, en fait. Tout est mouvant en permanence. Vous voyez, ça fait quoi ? Ça fait une petite heure et demie qu'on est ensemble. Si je ne dis pas de bêtises, mais les plus sont bons, chacun de vous qui écoutez, a dû perdre à peu près 800 millions de cellules de son corps, quoi. Je crois qu'il y a 800 millions de cellules de votre corps qui sont mortes et qui ont été remplacées. Donc, en fait, vous voyez, même sans rien faire, a priori, vous avez déjà énormément changé. Vous n'êtes plus le même qu'il y a une heure et demie. Et c'est pas grâce à nous, ça, en l'occurrence. Merci beaucoup, Laurent, mais surtout un grand merci, bien vous trois, pour ces partages, je dirais qu'ils sont à la fois très complémentaires et très fusionnels, parce qu'on a vu une belle symbiose dans vos propos, ça rebondissait naturellement. Alors, bien sûr, vous connaissez les axes de travail des uns et des autres, mais dans un sujet aussi complexe et puis très personnel de l'habitation. Merci d'avoir partagé aussi authentiquement, puis de manière, on va dire, complexe. Parce que aussi, la mutation, à mon avis, amènera à avoir exercé une pensée complexe et de sortir à la fois de la matérialité et du simplisme. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour une émission dédiée à une phase de mutation qui est le sommeil. Et là, un autre espace-temps à conquérir et dans lequel on peut être extrêmement créatif. Vous pouvez vous programmer ce soir, vous allez bientôt vous coucher sans doute, et bien peut-être créer une projection pour votre futur, vous dire ben voilà, j'ai des choses en dormance, en moi, en questionnement, ben peut-être mettre une intuition pour avoir des évocations oniriques qui vous permettront d'avoir un autre destin demain, avant de recommencer tel Sisyphe à pousser
vos problématiques, vos peurs et vos émotions jusqu'à vous puissiez vous en débarrasser. Nous avons une émission qui était programmée sur les neurosciences. Nous la décalons au mois de mars. Donc là aussi, ça sera riche en enseignements et en partage. Vous pouvez nous suivre, toujours pareil, sur nos canaux, notre chaîne YouTube, notre site internet, notre feed Telegram et notre page Facebook. Et nous vous remercions de votre fidélité depuis 2 ans maintenant. Un grand merci également à Aurélie, puisque nous sommes plusieurs à animer ces émissions Parlons Santé. Aurélie l'anime aussi, mais c'est elle qui coordonne beaucoup en coulisses. Et donc, nous organisons ces émotions. Nous précisons que nous sommes bénévoles. Et puis, si vous avez envie de voir des thématiques, quand je dis bénévoles, c'est parce que nous n'avons pas de conflit d'intérêt, évidemment. Si vous avez des thématiques que vous voudriez voir apparaître, n'hésitez pas à nous écrire sur notre site internet ou sur nos canaux. Et si vous êtes praticien et que vous aimeriez participer à nos émissions, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à nous contacter. Encore une fois, merci infiniment Laurent, Philippe et Louis. Vous êtes les bienvenus aussi dans cette émission quand vous le souhaitez pour de nouveaux partages. On espère en tout cas que vous qui nous regardez, ça a pu nourrir des réflexions et puis vous sortir d'une certaine peur et torpeur et vous regonfler pour repartir dans ce monde en mutation et puis inspirer d'autres personnes demain à la machine à café pour avoir le sourire dans cette phase transitionnelle. Bonne soirée à vous. Portez-vous bien. Au revoir.